Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur Bravo Loto ou comment gagner à coup sûr un gain. Donc, il n'est pas dit que vous gagnez le jackpot ou de l'argent en cash, même si ça peut arriver. Et si ça arrive suite à ma vidéo, pensez à moi, il n'y a pas de souci. Donc, et ne faites pas que penser, hein, partagez tant qu'à faire. Alors, je vais vous expliquer comment se passe Bravo Loto. Bravo Loto, en fait, c'est une application qui est gratuite, mais qui dit gratuit dit forcément que cette application quand même a besoin d'engendrer des sous pour faire gagner de l'argent en cash aussi. Donc en fait, quand vous allez jouer, là par exemple je suis sur une grille, il faut cocher 5 numéros, donc voilà, je vais en cocher au pifomètre, et 2 signes astrologiques. Voilà, donc voilà, là c'est fait. Si jamais vous êtes trompé, il y a une petite gomme en bleu en bas à gauche, elle est ici, et du coup ça efface pour que vous puissiez refaire votre grille et corriger vos erreurs. Il y a aussi la fonction aléatoire au milieu, alors elle vous coche une grille au hasard, et si vous avez le coup de foudre pour cette grille, eh bien, vous pouvez la mettre dans votre grille fétiche pour les jouer automatiquement ensuite. Donc après, vous validez. Là, je valide et il y a une pub. Ben forcément, donc comme je vous disais, qui dit application gratuite dit que quand même, elle doit subvenir à ses besoins et pour faire gagner des lots et pour la viabilité de l'application. Donc voilà, on regarde cette petite vidéo, ça prend, regardez là, tout en bas à gauche, il y a le nombre de secondes qui s'écoule. Ça dépend en fait des pubs, c'est plus ou moins long. Mais voilà, c'est pas non plus un problème. Là, il y a une petite croix qui s'affiche en haut à droite, j'appuie dessus. Voilà, maintenant j'attends pour l'enregistrement de ma grille. Et voilà, ça y est, c'est fait, c'est enregistré. Le prochain tirage sera à 20h45. Il me semble qu'il y a 2 tirages par jour, un à 12h45 et un à 20h45. Donc là, ben, le prochain sera à 20h45. Vous voyez, à marquer Philippe G, 500 euros. Donc en fait, ça affiche le dernier gagnant de gros lot. Et en dessous joué, vous pouvez voir que c'est sous contrôle d'huissier. Donc... je pense que c'est plutôt sérieux au niveau du contrôle des tirages. Vous avez aussi le super jackpot qui lui aura un tirage à 21h45. Pareil, même principe pour jouer, sauf que là, il faut obtenir des tickets supplémentaires. Comment obtenir des tickets supplémentaires? Alors, j'appuie sur plus de tickets. Et là, vous voyez où je peux acheter des grilles avec les petits sous que j'ai là, comme vous voyez en haut à droite, c'est affiché 100. Donc, où je peux acheter des tickets sans pub, selon ce que j'ai comme petit sous. Hop. Ou, j'y retourne. Vous voyez, par exemple, là, je peux acheter aussi avec ces petits sous, 5 euros de remise chez Jiffy, etc. Donc, moi, personnellement, j'achèterai pas des grilles sans pub. Je préfère garder... les petits sous pour acheter des bons de réduction, par exemple chez Jiffy, c'est plutôt intéressant. Il arrive les fêtes de Noël, donc c'est mieux d'économiser ces petites pièces en or. Mais vous allez me dire, Slav, comment on gagne ça? Oui, alors comment gagner les petites pièces? Eh bien, les petites pièces en or, les petits sous, comme je les appelle, vous les gagnez tout simplement en jouant des grilles. Plus vous jouez de grilles, plus vous allez avoir de petites pièces. Mais attention, parce que voilà, nous voyons en bleu la petite grille avec les 25 tirages sur 110. Donc chaque jour, on a le droit de jouer jusqu'à 110 grilles.
mais ne les jouez pas toutes. Non, jouez-en 10, on va dire, entre 10 et 20, comme vous voulez. Et le reste, en fait, vous pourrez les cumuler pour les prochains tirages. Donc, ce n'est pas perdu. Et en fait, tout ça se fait jour après jour. En plus, vous avez vu, là, il y a un petit cadeau avec un compte à rebours. Et dans ce petit cadeau, eh bien voilà, on a le droit à des bonus quotidiens. Donc, on peut gagner aussi des petites pièces avec chaque jour en se connectant. Et au bout du 7e, il y a un cadeau mystère. Donc, c'est plutôt cool. Donc, pour ce qui est des gains, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est là, ici, tout ce que vous pourrez gagner, ça sera affiché ici, tout simplement. Donc, c'est pas mal. Vous aurez... Moi, j'ai rien parce que j'ai commencé... J'ai téléchargé l'application. Je l'avais déjà avant, mais là, je l'ai retéléchargée aujourd'hui. Donc, je n'ai rien sur ce compte-là. Mais sinon, ben voilà, pour les gains, pour voir ce que vous avez gagné, ben, tout est affiché ici. Donc, vous pouvez voir tous vos bons de réduction si vous avez eu des bons de réduction, des bons d'achat si vous avez eu des bons d'achat. Et comme je vous ai dit, eh bien, avec ces petits sous, vous pouvez quand même acheter des choses qui sont plutôt pas mal. Hein. Vous voyez, là, le dernier à 2400 pièces d'or, c'est quand même 40 euros de remise pour 100 euros d'achat. C'est quand même super cool, comme je le répète, mais c'est bientôt les fêtes de Noël. Donc, c'est cool d'offrir des cadeaux, mais si on peut avoir des réductions, c'est très bien aussi. Puis, il n'y a pas que Jiffy, hein, y a cadeaux pourris. Hein. Ça inspire. Si vous avez quelqu'un que vous aimez pas, c'est pas mal. Donc là aussi, vous pouvez acheter avec 150 pièces, 10% de remise des 15 euros d'achat. C'est pas mal aussi. Enfin, voilà, il y en a pour tous les goûts, je pense. Et c'est pas mal. 5% de remise sans minimum d'achat ici. Vous avez plein de petites choses. Donc, pour moi, c'est quand même des gains, ça. Parce que quoi qu'il arrive, ça reste gratuit. Et sincèrement, quand c'est gratuit et que ça prend peu de temps dans la journée et qu'en plus, ça peut vous permettre... Ça peut rapporter gros, hein. Je veux dire, il n'y a pas aucune chance de gagner en cash. Donc, en plus, ça peut rapporter gros. Je veux dire, c'est tout bénef, cette application. Après, il ne faut pas tomber dans le piège des publicités, à télécharger... Tout et n'importe quoi. Enfin, moi personnellement, voilà, je reste sur l'appli, je regarde les publicités, je fais mes petits cadeaux quotidiens et voilà. Et comme je vous ai dit, de toute manière, voilà, je joue pour les gains en cash ou en bons de réduction, bons d'achat, enfin voilà, tout ce qui peut être gagné là-dedans. À la limite, voilà aussi parrainer, hein, parce que vous voyez, ben, si vous parrainez quelqu'un, vous obtenez 10% des jackpots gagnés par vos amis, vous gagnez 10 grilles sans pub pour chaque ami inscrit et vous gagnez 3 tickets méga jackpot pour chaque ami parrainé. Donc, c'est quand même sympa de le faire aussi. Mais voilà, moi, tout ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment cumuler vos petites pièces d'or, parrainer. Et puis, vous pouvez très bien faire comme ça sans pour autant télécharger les applis, etc. Comme ils vous le demandent. Là, par exemple, installation d'application ou faire des sondages. Bon, parrainer, moi, je suis personnellement pour. La géolocalisation, bah pourquoi pas, parce que de toute manière, vous voyez en haut à droite, il y a un espèce de petit bonhomme bleu. Et là, vous allez renseigner bah, tous vos renseignements, en fait. Nom, prénom, adresse, etc. Donc, géolocalisation, excusez-moi, c'est dur à dire. Mais pourquoi pas, puisque de toute façon, vous allez renseigner votre adresse pour recevoir vos cadeaux. Donc voilà, après, c'est des conseils, à mon avis, qui sont ultra simples à suivre pour pas que vous preniez la tête avec ça non plus, en gardant en tête que ce sont des jeux de hasard et que bah, des fois, ou ça passe ou ça casse. Mais en attendant, le cumul là, des pièces d'or, bah, par contre, ça, c'est pas dû au hasard, c'est vraiment vous qui économisez. Pour après acheter
des bons qui vous font plaisir. Eh bien voilà, écoutez, je pense que après, ben, au niveau des conseils pour gagner, ben moi je conseillerais de jouer plutôt ben, des chiffres communs. Vous voyez, enfin, on joue pas, enfin, ne jouez pas 19, 20, 21, 20, 21, 22, 23. Enfin, ça sortira pas clairement, hein. Donc jouez plutôt, voilà, je sais pas, 26, 15, 3, 30, 44, puis les chiffres du zodiaque de votre chérie et de vous, et validez quoi. Faites-le comme ça, et puis tout ira pour le mieux, je pense. Hein. Enfin, pareil, hein, ce sont des conseils basiques, mais on ne sait jamais. Vaut mieux le dire quand même. Hein, les numéros qui sont communs, c'est vraiment généralement des numéros éloignés pour mes amis, des numéros qui se suivent. Pour le reste, je pense que j'ai fait le tour. Comme je vous ai dit, bah moi je voulais vous en parler parce que je trouve que c'est une appli quand même super sympa où on est sûr de repartir avec quelque chose quoi qu'il arrive, puisqu'en cumulant les petites pièces, eh bien vous pourrez acheter des bons d'achat ou des bons de réduction que vous voulez. Parce que vous pouvez gagner des bons d'achat à chaque tirage, en plus de pouvoir gagner du cash. Donc voilà, si je trouve une appli de jeu sympa à avoir, c'est sûr que ça change hein, des autres jeux dont je parle d'habitude. Mais voilà, pourquoi pas, ça peut être cool. Et en tout cas, bah oui, on est sûr de repartir avec quelque chose, comme je vous disais. Et ça change des autres jeux de hasard où bah, on paye et où on n'a rien. Bah écoutez, là on paye pas, c'est gratuit et puis on peut avoir des bons de réduction, on peut tenter sa chance au tirage. Bah voilà, moi je dis, je voulais vous en parler parce que avec Bravo Loto, on est sûr de repartir avec quelque chose quoi qu'il arrive. Voilà, je vous souhaite à tous et à tous une bonne continuation. N'oubliez pas de vous abonner pour mes prochaines vidéos et je vous dis à bientôt.